Bafil, moi prends quand nous t'aimes, mais l'autre pays, yo bam installation, yo pas bam compte. M'vin tourner yo diaspora illégal, qui tape chercher en maligne pour gratter, qui joigne yon pégal. C'est comme qui la balle esprit Haïti, pour diable, malheureux pas voyager, c'est parti le parti. Moi ouais Haïti pour chabrat yo, moi ouais Haïti étranger yo, c'est pas pour tout le monde que Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas maintenant. Moi ouais Haïti pour bateau yo, moi ouais Haïti ministre yo, c'est pas pour tout le monde que Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas maintenant. Bon ici, blanc maintenant gué valet passé, nous yo possédé bien passé, nous yo sécurisé passé. Yo mange pi bel poisson passe nous, yo web pi bonji passe nous, yo gente passe nous. De qui Haïti wap parler, eh? De ça qui bon pour yo wap ou ça qui fait nous souffrir. Dim, de qui bourgeoisie wap parler. Oh, en vérité, yo bon pour prier. Pi go la peine l'aime voyager, c'est l'aime contre Haïtien qui possède plus que des bacs. Yo te envire te pour mener bac yo. Mais marcher en Haïti a grâce et fac yo. Moi ouais Haïti pour chabrat yo. Moi ouais Haïti étranger yo. C'est pas pour tout le monde Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas non. Moi ouais Haïti gros bateau yo. Moi ouais Haïti ministère yo. C'est pas pour tout le monde Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas non. Ibel Bogoye yo c'est pour yo. Ibel Moukian yo c'est pour yo. Hey, plage yo c'est pour yo. Belle femme créole c'est pour yo, bel hôtel c'est pour yo. Yo gain 27750 km2. C'est moi pagé pays. Moi ouais Haïti pour chabrat yo. Moi ouais Haïti étranger yo. C'est pas pour tout le monde Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas non. Moi ouais Haïti pour bateau yo. Moi ouais Haïti ministre yo. C'est pas pour tout le monde Haïti pas bon. Tout Haïti pas bon pour you ni bon pour l'autre. Big Haïti sont mais ça date de tellement longtemps, m'vin gen dégoûtance. Lè m'mande, parlez-moi qui ça li ka fait. Li dim, loi c'est papier, baïonnette c'est fait. M'vin comprendre que m'lage pour comme nan yon savan. C'est moi qui pour relé, c'est moi qui pour répondre. Moi passe en bas fil, moi prends quand n'te. Mais l'autre pays, yo bam installation, yo pas bam compte. M'vin tourne yon diaspora illégal, qui tape chercher en maligne pour gratter, qui joigne yon pégal. C'est comme qui la balle esprit Haïti, pour diable, malheureux pas voyager. Moi ouais Haïti pour chabrat yo. Moi ouais Haïti étranger yo. C'est pas pour tout le monde Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas maintenant. Moi ouais Haïti pour bateau yo. Moi ouais Haïti ministre yo. C'est pas pour tout le monde Haïti pas bon. Avec la foi, maintenant Haïti pas maintenant. Bon ici, blanc maintenant gué valet. Bonsoir nous toutes qui branché 97.5, 92.3. Dans l'émission ça qui passait chaque jour, sorti 4h, arrivé 5h30. Et nous faisons un peu l'effort pour nous présenter de personnalités, nous quoi, dans la société qui a un pile importance et qui a un pile, comprend pile plaisir tout pour t'en dire parce que soit ou bon côté, soit ou pas bon côté, mais
ça qui important, quel que soit côté ou campé, on a toujours besoin de moun sa yo. Et nous te promettre moun yo, nous dit que en 2019, gain de parole, nous voulons qui vous parler. Dans micro, c'est de parole qui nouveau, c'est de parole qui pote l'espoir, c'est de parole qui plus adapté à idéal changement que nous prenons. Mais ce n'est pas tout le temps, mon cas est brisé, ce n'est pas tout le temps, nous aller sous côté négatif, mon yo. Nous fait plus passer 25 ans déjà, n'a pas les côtés négatifs, mon yo. N'a pas côté qui pas bon, mon yo. Défaut, mon yo, pour nous déterminer l'avenir, nous. Nous, ouais, ça va pas être grand résultat, je dis, nous avons un pays instable. Nous avons un pays qui a cherché tête li, nous prenons qui bon, nous qui trou. Et puis nous venons plein après. C'est parce que justement, choix yo, yo différent peut-être de ça nous gagnons kun. Yo différent peut-être de espoir que nous mettons dans petite nous. Qui vient faire avenir pays ya, l'hypothétique est très 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 hypothétique. Et chaque fois qu'on va à l'étranger, nous pensons que rêve nous qu'à réaliser un seul côté. À l'étranger, mais pas en Haïti. Nous disons non, on station radio et télévision, médias en général, fait pour participer dans renouveler discours, dans reprendre les problèmes et réanalyser de telle façon que nous venons avec des solutions qui sont adaptées à nouvelles réalités, à nouveaux moments, à nouvelles conjonctures. Nous pas quoi nous venons remplacer personne. Nous pas quoi tout que nous ne pouvons remplacer personne. Nous quoi seulement nous capables de mettre une roche dans la construction d'un nouveau pays, un nouvel Haïti, une nouvelle mentalité. Parce que nous assez joué une lotte, nous assez stigmatisé une lotte, nous assez quoi que c'est monde ça qui la cause malheur nous, ou bien c'est nous qui la cause. Tel monde a fait tel bagage. Donc, nous bouquons fait ça dans le pays. Donc, je dis à mon collègue nécessaire pour nous chercher qui côté problème yon yon, qui solution qu'a expérimenté et qui chance pays a gagné pour le sortir dans sa lia. Hier, nous étions avec Tonton Bichat, son artiste. Peut-être que tu as dit, ah, pendant la conjoncture politique là, très ébranlé, bagage là, extrêmement important pour qu'ils annulent Tonton Bichat. Non, mais son artiste, lui là. Li gen participation pal li capable porter dans une nouvelle Haïti dans construction nouveau pays parce que la fait musique la fait danser la fait comédie par exemple comme artiste mais est-ce que li pa gon famille est-ce que le pa paye courant même Jacques nous est-ce que le pa paye de l'eau même Jacques nous est-ce que le pa subi toute conséquence mauvaise gouvernance là même Jacques nous. On croit que chaque grain artiste dans le pays, chaque grain industriel, chaque grain homme d'affaires, monde qui est dans la société civile, journaliste, quel que soit secteur qui appartient dans la société, ça, il y a des séquelles de mauvaise gouvernance qui a ravagé. Donc, sous base ça, est-ce que c'est stigmatiser monde? Est-ce que c'est jouer monde qui peut le faire comme solution? Nous pas croire ça nous-mêmes dans RSF. Nous croire plutôt, c'est pas la monde. Gardez ça quand dans yo qui ça au porté qui discours au porté parce que pas capable d'entendre moun yo et puis ou chita ou penser que ou capable résoudre rien ou pas capable faire ça mais je dis à nous inviter une personnalité autant de sous plusieurs médias déjà qui réagit en maintes occasions qu'autant de dans divers moments qu'a traversé pays d'Haïti autant de noms à citer Docteur Reginald Boulos. Mais peut-être que chaque monde n'a façon pas yo, soit tu as une chance de contacter lui, ou parler avec lui, ou avec moun liye, soit pas jamais gen chance de sortir de la radio, ou bien entendre dans les médias, c'est lui-même qui permet tout camper personnage là. Peut-être qu'on pas connaît que le tap travaille dans la Cité Soleil, ou qu'on pas connaît ça. À un certain moment, il défend quand il tap travaille dans la Cité Soleil, est-ce que tu es connaît l'hôpital, peut-être que le CDS, est-ce que tu as un travail qu'a fait, peut-être qu'on pas connaît ça yo. Faut chercher qu'on est autour. Parce que pour évaluer un monde, il faut évaluer le bon côté et le mauvais côté. Nous avons une sensibilité dans l'émission, pas de bagage comme ça du tout. Par contre, il y a une question tout, qui ne peut pas parler sous prétexte que RSF a besoin de publicité et puis une question ne peut pas poser M. Boulos. Ça va pas être comme ça. Ça va exister. Nous avons posé toutes les questions possibles. Nous avons cherché
réponse yo et le yo poser un monde question nous même qui sous live là qui sous internet cap suivre ou bien sous 97.3 ou bien 92.3 cap tande nous faut qu'on comprenne yo poser mon question li gon droit pour le répondre et réponse li ba ou faut analyser réponse là c'est pas à partir de sorti pensée de monde et puis le bon réponse et puis ou pas chercher analyse ou chercher comprendre non li pas cap comme ça puisque rôle nous dans média c'est faire éducation tout permettre de comprendre parce que faut nous harmoniser société. Chaque grain élément dans société est important. Quel que soit élément ou retiré ou disloqué société ou changer trajectoire société ou changer toute bagarre dans société. Tant qu'on même par exemple, c'est tant qu'on machine. Quelque gros l'argent machine n'a qu'à coûter, quelque belle licabel, quelque sort ta ka qualifié machine nan li gon ensemble de ti éléments qui participent dans fonctionnement machine nan qui fait ou remèl de pou retirer youn ou payer conséquence là nous toujours par exemple frein li gon ti tube qui pote l'huile là s'il pété l'huile a tombé et pou pété gaz ou pral cap haïtien ou pral au caill ou met gaz et puis ti bal en pété pau et puis l'huile l'a pas arrivé côté pour le river tout petit oui alors qu'on ont belle carrosse ou gen belle chaise en cuir ou gen belle volant ou mettez spotlight belle bagaille yo là oui mais gon petit tube qui pote l'huile l'a pété gon bougie qui pété gen cap frein accélérateur pété et bien ou pas qu'à marcher. Donc ça veut dire chaque grain élément important pour nous. C'est ça qui vient faire gombaye qui est tolérance. Donc faut que nous youn tolérer l'autre avec défaut yo, avec bonté yo, avec bon côté yo pour nous capable avancer. Nous pas gain aucune prétention ici là corriger personne. Nous tout simplement capable parler avec n'importe qui monde, dire n'importe qui ça ne penser parce que il est important pour ça. Donc émission jeudi a gan pile niveau pédagogique la donne parce que n'a parlé avec un homme d'affaires qui c'est un scientifique tout puisque son médecin qui étudie en Haïti donc méthode yo capable différent approche cap différent mais ça qui est important tendez comprendre et question nous poser même si sous tablette là il va réagir tac ou tac à ça n'a dit mais moi m'a pour prendre question de penser plus pertinente yo pour capable répondre donc gon présentation de environnement affaire qu'a fait jeudi a pour dire qui secteur qui composé secteur business parce que peut-être que jeudi a pas les secteurs des affaires en Haïti ou pas on connaît combien secteur là donne est-ce que gen moun c'est est-ce que gen moun c'est brasserie est-ce que gen moun c'est agriculture donc nous pas connait en réalité combien cob qui investit dans pays a moun ça investi est-ce que ces 15 ces 25 dernières années gon progression moun yo fait progrès en termes économiques parce que quand maintenant tout moun yo plein argent et puis yo te vin en asset si yo te vin en quantité l'argent l'argent baisse pas même connait même parce que pas gain information qui baille sous la fortune en Haïti tout nèg peur pour ne pas konn sa ou gagner et puis nèg la grossi en pile l'argent comme ça tout cob li a baisse pas même connait même nous va parler tout participation secteur business là dans démocratisation Haïti tout parce que pas ka gon pays démocrate si secteur business pas démocrate donc li gon gens li orienté et support li gon gens li orienté approche relation interpersonnelle li qui vient faire que pays a gen pas jamais basculer dans démocratie nous va parler de ça tout et puis qui engagement qui prend beaucoup de secteur ça pour capable gain stabilité dans pays et puis dernier point nous va gain pour nous prendre avec monsieur Boulos c'est tout ça peut-être nous réussir à assembler ou 10 sous docteur Reginald Boulos. Qui ça yo dit sous lui parce que yo dit un pile bagaille gain positif gain négatif nous va dire mais ça nous tendait lui même qui ça le répond. Bonsoir Ricardo, bonsoir Dominique, bonsoir Maxime, toi monsieur Sao toujours accompagné pour réaliser show ça chaque jour et c'est eux même qui pral fini l'autre show qui passe à 7h. Bonjour nous toutes, bonsoir nous toutes. Bonsoir, docteur Reginald Boulos, merci parce que vous acceptez l'invitation.
Yvener, bonsoir. C'est tout un plaisir pour moi pour m'parler avec auditeurs et téléspectateurs et monde qui a écouté nous sur internet, qui a suivi nous sur tous différents médias sociaux. Et moi très impressionné par l'effort qu'on fait pour mettre RSF sous pied. Merci. En si peu de temps. Et donc c'est ça que fait choisi, alors que gagne un pilote d'Acadi radio qui gagne plus de temps, qui peut-être qu'a gagne plus popularité, qui t'a voulu me bailler au premier interview de l'année, à me dit de promettre tout ça, me tape là. Merci ça. Et son plaisir pour me souhaiter tout haïtien qui en Haïti, l'autre bord de l'eau, au Chili, aux États-Unis, en France, au Canada et dans tout autre pays, on souhaiter tête nous une bonne année. On souhaiter que nous capables de travailler ensemble pour nous changer les conditions misérables qui ont passé dans le pays. On souhaiter pour que nous capables de finir avec l'exclusion mutuelle. On souhaiter pour nous capables de créer tête ensemble qui pour changer les conditions Haïti dans le monde entier. Et je souhaite à tout le monde une bonne année. Merci un pile pour les mots que vous avez envers nous, qui viennent de droit au cœur, puisque nous avons dégagé nous. Parce que nous connaissons un terrain extrêmement difficile pour nous faire médias là-dedans. Nous venons et nous croyons que nous accueillons tout nous-mêmes. Et nous bien contents d'accueillir l'autre confrère et consoeur ben nous. Et nous venons, nous venons en plus l'accompagnement de l'autre média. Et ça fait nous un peu plaisir. Tout. Alors, on nous garde rapidement, Dr Boulos. On pas besoin de faire présentation de ouvrir en réalité. Parce que Docteur Boulos, c'est ça qu'on dit. Docteur Boulos, c'est ça qu'on est. C'est ça qu'on prend chaque jour, on peut essayer de défendre. C'est pas très important. Nous, là, nous disons, classe business dans le pays d'Haïti, le monde qui a fait business dans le pays d'Haïti, il a évolué dans quel secteur? Bon, d'abord, je pense que, comme on dit, on n'a pas besoin de présenter. Je t'arrête quand même pour un petit moment oui. Pour me dire qui est le monde. D'accord. Ok, et moi, tout le monde connaît comme Réginald Boulos, mais en fait, mon nom, c'est Pierre Réginald Boulos. Et tout haïtien, comme toi. C'est ça que ça presque montré que sont haïtiens parce que chaque haïtien a un nom, un baronnet. Oui, exactement. Un deuxième bon. Prénom. Et je fais études primaires et secondaires, petit séminaire, collège Saint-Martial. Je passe baccalauréat pendant que j'étais en seconde. Donc, je saute très tôt. Okay. Et c'est ça que fait en 1000, à m'entrer dans la faculté de médecine comme plus jeune étudiant en faculté de médecine de l'Université d'État d'Haïti à l'âge de 16 ans et demi. Je gradué médecin à 23 ans. Moi, j'ai étudié santé publique, Tulane University. Et là, je me tournais en 81, en 82, mal travail Cité Soleil de 82 à 1996. Côté que nous avons créé l'hôpital Sainte-Catherine, Centre Boston, Centre Brooklyn, Foyer culturel Saint-Vincent de Paul, Centre Artisanat et Centre de vocation professionnelle. En pile, l'autre bagaille, tout que nous avons créé. Malheureusement, des conditions qui pas dépendent de moi, étaient femmes d'obliger quitter Cité Soleil en 1996. Et c'est le ça, moi vini et entré dans le business. M'oubliez dit que moi suis ancien professeur Université d'État d'Haïti ou ancien étudiant Université d'État d'Haïti. Donc, son université. Faculté de médecine ou? Faculté de médecine. Et Université d'État d'Haïti et étudiant en général et de l'Université d'État d'Haïti, c'est des mondes que. Pour lequel que moi parce que c'est famille quand comme toujours participer dans activité petit séminaire dernièrement m'était faire un cadeau un Audi pour être carafler pour être construire reconstruire l'école là et c'est une bagarre que me penser que qui manquait dans pays là ça relait en anglais alumni c'est-à-dire que pas gagner des rassemblements des anciens étudiants parce que quand même université a été ben moins en bagarre dans l'école et m'étudier la médecine et je dis à me que nous tous qui sortis l'université d'État d'Haïti qui t'ai profité l'homme quartier université a été un gros niveau je dis à faut accepter que il fait face à un pile problème que nous capable bailler une partie de ça retour de l'ascenseur et en 1996 moi commencé business et de 1996 jusqu'à aujourd'hui je travaille d'abord dans le business, même je travaille en pile tout dans l'action, association, puisque tout le monde connaît, c'est moi qui ai fait le premier rassemblement des 10 chambres départementales de commerce, des chambres de commerce, parce que chambres étaient divisées et nous avons créé la chambre de commerce nationale. J'ai été le premier président
de la Chambre de commerce nationale et rassemblement des 10 chambres départementales. Et j'étais coordonnateur forum économique et du secteur privé. Et j'étais toujours un citoyen engagé. Et c'est ça qui fait que, malgré poser mon question sur le secteur privé, je vais répondre. Même je voulais dire que l'homme de la radio là, moi, c'est un citoyen engagé, qui est engagé tant du point de vue social, par rapport à l'action sociale que je prends, tant du point de vue économique, du fait que je suis acteur économique dans le pays, mais aussi parce que je suis un homme qui est toujours bas opinion sous question politique. Et tout le monde connaît, m'pas caché langue, le map dit ça me passe. Et quel que soit ça, m'a dit des micro, ou te mettre connaît, c'est ça me passe. Je dis à, d'abord, on parlait de climat des affaires. Et si on t'a dit Haïti, climat des affaires a marché, et c'est une fausse description parce que, en fait, le pays a en crise depuis 30 ans. Crise sociale, crise politique et crise économique. Donc, dans le secteur privé, on a dit que il y a trois catégories. L'homme qu'on dit ça, il n'a pas aimé ça, même Abdil. On dit yo, à qui yo? En dans même secteur. D'abord, je dois dire qu'il y a d'abord ce que j'appelle ceux qui sont les promoteurs du statu quo. Promoteur statu quo parce que ça permet yo jouer de contrebande, jouer de corruption et jouer de fraude fiscale. Ensuite, il y a un deuxième groupe que m'relé les nostalgiques de l'ère de 1970-80, c'est n'est qu'à bénéficier de monopole, qu'à bénéficier de faveur l'État pour développer tête. Et puis quand même, dans le secteur privé, comme dans le reste de la société, que ce soit la classe politique ou la classe sociale, tout ce que je viens de décrire là, nous retrouvons tout. Et il y a quand même, dans le secteur privé, des n'est qui réalisaient que le pays ça a besoin de progrès, il a besoin de modernité, il a besoin de justice sociale, il a besoin d'engagement de ses citoyens. Et quelque part, il n'a pas fait seulement parce que tu as aimé le pays développé, mais parce qu'il a bénéficié de lui. Toujours un exemple très simple, et Yvener. En République dominicaine, il y a 28 000 voitures neuves qui sont vendues en République dominicaine par année. 28 000. En Haïti, il y a 4 000. Donc, toujours qu'on a dit ça, n'a pas géré. Bon, niveau économique pays, taille économique pays, pas même. Écoute, mais c'est exactement. Mais sous songer en 1960, nous avons même PIB que la République dominicaine. Donc, nous sommes fait 58 ans à pas avancer devant. Nous sommes fait 58 ans à faire back derrière. Donc, monde. Aujourd'hui. Alors, avant de faire tac ou tac là, ça me devait qu'on ait. Devait qu'on ait un secteur business. Dans qui ça y est? Bon. Est-ce que c'est dans produits agroalimentaires, et industrie pharmaceutique, besoin qu'on ait qui voyez pour me cap. D'abord, allons diviser en trois aspects. L'agriculture, la manufacture et le commerce. D'accord. Donc, qu'est-ce dans trois ça qui plus priorisé. Bon, c'est malheureux, ça me le dire, mais c'est vrai que c'est le commerce qui est priorisé. Après ça, nous allons mettre des têtes. Pourquoi? Il y a un commerce nous qui est plus dans exportation ou bien importation? Importation. Pourquoi? D'abord, on prend l'agriculture. Nous avons un problème qui gagne dans d'Acadie, la propriété privée dans le pays, je veux dire. C'est-à-dire que ou prend terre, ou achète terre, ou investi sous lit, yo monte sous terre, ou pas gon l'État capable protéger, ou pas gon système judiciaire capable protéger, ou pas gon assurance dans le pays sur la production agricole. Ça veut dire. Le producteur Miami a produit orange, et que en janvier gon mauvais, tant que passé côté que, et température a baissé tellement bas, li congelé tout orange, et puis orange gâté. Li gon assurance li te prenne dans l'État, qui fait que li pas perdu tout cobli. L'a joindre immédiatement un remboursement de l'assurance. Mais je dis alors, elle fait agriculture, et c'est une raison que je me dis, le grand problème de ce pays, c'est l'absence de l'État.
Et parce que... que l'État seulement, c'est même secteur qui fait assurance. Pour ça, pas assurer nous-mêmes qui venons là-dedans. C'est pas forcément assurance. C'est pas l'État privé. Qui gagne. C'est pas forcément privé. Mais l'État va gagner. Non, mais c'est ça, ma Mexico. Dans le pays côté gagne agriculture, parce que son secteur à risque lié, c'est l'État qui boit assurance là. Ça dit, vous payez pour assurance, mais c'est l'État qui boit assurance. L'autre dit, l'État n'a pas d'assurance. L'État n'a pas AVCT. Non, je ne parle pas AVCT pour machine. Mais même j'en ai. Dans le cadre de ça, on fait garantie investissement. Oui, ça, mais c'est gar... son investissement tellement à risque qui ne dépend pas de nous. Par exemple, le respect de la propriété privée, ce n'est pas le secteur privé qui a fait. C'est le système judiciaire avec l'État qui a fait. Aujourd'hui, il n'y a même pas un cadastre. C'est-à-dire, le cadastre de la République dominicaine, c'est continué. Nous-mêmes, nous étions depuis 40 ans cadastre là. Je dis, on n'a pas foutu remonter trace qui est-ce qui vraiment propriété en terre. C'est ça qu'il faut gagner toute bataille. Ça. Non, on n'a pas, pour ne pas qu'à bouer. Pour faire production agricole, il faut gagner garantie propriété. Non, nous n'avons pas qu'à bouer. Moun, gon ensemble moun dans la société, qu'on n'a pas qu'à remonter pour qui est terre. Mais. Gon secteur dans la société on d'accord avec moi qui compte pas il pas en perdu yo non c'est pas depuis, vrai depuis tamboyer yo pas en perdu c'est pas vrai même songer même regardez jodi à la soute aéroport là il venait et ça me va faire c'est chaque ça me va oui bal bon exemple par exemple aéroport international Toussaint Louverture gagne extension pour yo faire sur route qui derrière parking là à un certain moment question ça a été agité dans la presse là on était encore dans Radio Caraïbes. Même gon moun qui relève qui dit que c'était famille parle, etc. A ou pas ka monter sur lui. Et a ou pas jamais ka monter sur lui, justement. Donc ça veut dire, yo identifié te pa yo. Jodi a en bas la ville là, M. Boulos. Côté Faval te ya, ou bien côté l'autre. Pas moun ka sur lui, non? Non. Moun ka peut-être sous Pam, sous pas l'autre, ou bien l'autre, etc. C'est pas mais pour la pa ka sur lui, non? C'est pas parce vrai. Parce qu'on est côté pour la sortie, côté t'achete, 1, 2, 3, 4. Mais ça pas empêché moun monter sous lui, ou obligé de dépasser. Pas monter, mais pas monter. Obligé en pile monter. Non, mais c'est tout le jour qu'on entendait ça. Ou qu'on appelait Kaintel, yo monte sous tête, yo monte sous tête tout le monde. Yo monte sous tête tout le monde, je dis, et. Ou un système judiciaire qui gagne corruption là-dedans tout, c'est pas moi qui te dis, c'est Batonia qui te dit lui-même que on corruption dans le système judiciaire, c'est-à-dire que imaginons que ou font gros plantation raisin. Bon, on garde aujourd'hui à nous moi-même avec frère Moudi, nous gagne deux carottes que planté en raisin dans Santo, OK? Mais sous jour soir et on monte monter sous lit et puis li fin kaze raisin même si après 3 jours l'état remet mon thème même que t'as perdu ça metteya m'a cité non on est là Jean-Claude Paul on connaît toute image te paraît dans et sur Facebook côté que son équipe prend 3 ans prend toute cobli là investi dans plantation banane toute qualité plantation et puis voler rentrer dans soirée couper clôture li cabrit rentrer et puis en soirée monsieur perdu moitié récolte li. Donc l'agriculture demain monsieur gon paquet de cao ou gen deux pour yon pour monter sous lui mais écoutez va faire du tac au tac mais non pas que mais ça tout faut d'accord avec son réalité mais Jean-Claude Paul n'est pas directeur de moi n'est pas différent de moi m'pa comprendre ça dit elle dit que m'pa fin même comprendre qui différence va faire yo monter sous pam ou dit moi dit ou gen deux monde ou prend exemple tout ou gen tire raisin ou et cetera il vient de disposition mais deux cao pas ca faire production jour mais 50 cao y a monter sous lui. Oui, mais écoutez, sous Duvalier, il était prêt tout te attirer dans ces marques, égo naïve. Quand il te compte fait, et gros plantation. Il était monté sous yo jusqu'à ce que distribuer yo. Donc, il n'y a pas la garantie de la propriété privée en Haïti. Bah, quoi, je dis à un monde qui a dit que le senti clair, il a toujours défendu, oui. Mais le coût de la défense de ce terrain, son gros problème lié. Donc, ou gen, cadastre, c'est un élément, regardez, pas gagné qu'à développer dans le pays. Si nous pas mettre cadastre à jour, son bagage, chaque gouvernement qui vient, il dit le pral fèl, mais tellement son désordre enragé, je dis, parce que il y a des têtes qui contestent. Si ce tribunal normal qu'on pral prend pour finalement joindre qui moun qui était vrai propriétaire ça, ou qu'à là pour 10, 15, 20 ans, parce que avocat yo et juge yo, yo vin des professionnels de et passer temps et pour pas jamais qu'ajoute soit chercher mon avocat qui me dit recevoir Claude Garçon ici là. Oui. Lisim s'il voulait le prend ici. Bon, il fait tout dit.
Et ben pas besoin de dire rien. Il veut qu'après ici. Bon, Yves, où est votre question? Il dit, il est capable tout simplement engager un procès à gardien nous là. Il parle même merde, il parle même nom, il pense qu'il parle pas radio, il parle merde. Il vini, il vont papier pour gardien. Il cherche qu'on non gardien. Et puis, ils vont papier pour gardien. Ce que gardien pas besoin de joindre. Et puis, ils mènent un bail dans le tribunal, et puis ils font jugement par défaut, car ils voulaient là. Ils mènent un bail. C'est aussi simple que ça. Oui. Qu'on mène un procès dans le pays. Non, donc, c'est écoute, il y a des avocats, des juges, et des professionnels qui se sont fait une renommée dans chercher voler tes moun. On ka di ou ta parler mzo ou ta aéroport. Lò di ou pa ka pran tèm. Sou autoplace à côté mien là. C'est dans tribunal moi pran tèm. Parce que t'es venu pour monter sur. Mon n'a pas de compte c'est où? Non mais le côté le compte moi bah là avec autoplace. Bah là avec autoplace. Mais kounyan là, m ka bay ou non monsieur Moscoso à côté côté nous hier. Li gonté jusqu'à présent dans goumè depuis 7 ans. Li pa ka utiliser terre depuis 7 ans sur aéroport là. Donc l'autre dit que yo pa ka monter, pa gen moun jodi a. Je dis pas monter. Pa gen moun jodi a ki a l'abri de problèmes propriété et le développement de l'agriculture qui est pour moi qui dans tête moi. C'est plus gros élément et je parle de l'agro-industrie. OK. C'est plus gros élément pour développer d'ailleurs pays d'Haïti. C'est-à-dire que si nous pas aller dans production nationale agricole pour que nous permettre que nous baisser prix manger. C'est qu'on soit baissé prix manger. Et me songe c'est président Breval qui te dit c'est pas pouvoir d'achat, c'est pas salaire minimum forcément, c'est coût manger là. Parce que il y a des pays qui ont salaire minimum beaucoup plus bas que nous, mais nous n'en vivons plus bien parce que les jeunes manger à meilleur marché, les jeunes logement à meilleur marché, les jeunes transport à meilleur marché et c'est trois bagailles qui c'est quatre bagailles qui manger l'argent peuple haïtien. Transport, manger, l'école et pratiquement et qualité de vie li vin dépend de trois bagages ça yo. Donc immédiatement moi crois que l'industrie bon par exemple ça et gade ba nous ka faire rapidement matin m'tap discuté nous commander 1 million œufs bon aujourd'hui à li moins mais nous commander 1 million œufs chaque jour de la République dominicaine. Bon depuis quelque temps gagne fok fait et produit 350 000 œufs en Haïti. Mais nous qu'arriver produire 1 million œufs. Qui sont besoin pour ça? Ou besoin d'abord des barrières tarifaires qui fait dans tout le pays. La République dominicaine, c'est ça le fait pendant 40 ans. Libor des barrières tarifaires qui fait que ou intéressé produit dans le pays, c'est pas contrebande qu'a faut pas vendre. Donc, mais là, bon problème, là, pose le problème contrebande, là, qu'est-ce qui bénéficie là encore? C'est le secteur qui a fait business. On comprend que. Ou même qui veut. Oui, on va prendre un exemple pour un monde qui voulait faire œufs par exemple ici oui les gars ont ensemble machinerie gain tout oui. Ensemble bagaille pour l'acheter etc. toute matière première qu'il a besoin pour le faire faut qu'il prenne à l'étranger puisque ne pas faire oui maintenant lui même le l'a pas acheté à l'étranger il taxe le normal mais monde qui a importé œufs sous prétexte d'un manquement yo détaxé pratiquement non. Presque à 70% d'abord parce qu'on n'a pas grand intérêt bon corriger pour venir. Si on a fait une production agricole en Haïti, une production œufs, il y a les lois sur le code des investissements. L'IGN doit joindre tout avantage fiscal que le besoin, que le cas besoin, pour le cas importer machinerie que le besoin, pour l'installer usine, pour le commencer à produire. Mais d'accord, avoir contre le bon, j'ai longtemps dit ça. Je dis, d'ailleurs, je fais une analyse là. Nous rentrons année ça 2017-2018 20 millions de dollars de taxes sur les 5 postes frontaliers sur une importation de 1,8 milliard de dollars. Ça veut dire nous payer 1,5%. Si pour nous payer normalement 25 à 30%, l'État a besoin de 540 millions de dollars revenus qui plus que quoi Petro Caribe chaque année. Mais ça fait le baril comme ça. Parce que faut-il à son ou passoir? Passoir pour tout le monde. Est-ce que vous pensez ou même Reginald Boulos qui travaille? Moi, par exemple, moi, contre avoir, nous toujours parler de Cité Soleil. Parce que nous prenons de Cité Soleil plutôt. Oui. Parce que nous ne pouvons pas prendre côté monde ouais ou été, etc. Nous prenons de Cité Soleil en CDS. Est-ce que vous pensez
c'est ti machin qui a passé dans ti camion forward yo, qui a passé dans ti bois fouillé, qui a rentré à zé, qui a rentré baio qui fait frontière pas soi. Bon, c'est les deux. Premier bagarre la forme du que tout nèg connaît gain des gros hommes politiques avec associés à gros hommes secteur privé qui n'en contrebande. C'est un joueur Mbavine là, cité non. Oui, oui. Mais il est certain. Il est bon tout. Non, on va pas faire. C'est pas moi moins ça parce que Mbavine ça. Même c'est pas moi le cité parce que l'État connaît mon ça tout. Oh, l'État pas prend action contre eux. Et pas moi pour venir citer non là. Bon six bon l'État. Pourquoi plus engagement L'absence de l'État est le grand problème d'un État fort, un État responsable, un État qui établit l'État de droit. Or, la contrebande c'est l'absence complète de l'État de droit. C'est-à-dire que on est allé, li prend produit, l'entrée, li pas payé droit, li gagne associé politique avec lui qui fait que li gagne associé la douane avec lui. Écoutez, li pas ta capacité pour gagne associé la douane avec. Donc ou gagne même l'état pour imposer là, c'est même l'état ça qui fait marchandise ça à passer. Donc ou gagne complicité dans la douane, ou gagne complicité dans secteur politique, des nèg qui tout nèg même pas pour citer nous quoi, même dit tout nèg qu'on est sénateur, gagne député et gagne homme d'affaires qui associé avec eux parce que faut écouler produit. Donc faut gagne pouvoir politique là et faut gagne pouvoir économique là pour capable faire contrebande. La lutte contre la contrebande pour moi, c'est un élément plus important qui pour permettre production nationale et pays ça à développer pour trois raisons. D'abord, c'est l'absence, c'est la perte de revenus que fait l'État. C'est 540 millions de dollars qui te gagne droit payer l'école, payer créer l'hôpital. Bye. Pas fort dans le chiffre, mais 3 milliards comme budget, donc si vous prenez 540, donc c'est bon, c'est pareil. Exactement. Il vient dans le budget. Non, écoute, il n'y aurait pas de. Bon, très clair. Il n'y aurait pas de déficit budgétaire si l'État était allé contre la contrebande et contre la fraude fiscale. Parce que c'est le deuxième aspect. L'entrée dans la contrebande, ou pas exister comme citoyen économique, ou pas exister comme acteur économique, donc ou pas payer TCA non plus, et ou pas payer impôt sur le revenu non plus. Ou en plus de ça, c'est l'un des rares pays côté que la fraude fiscale n'est pas criminalisée. C'est-à-dire que, entre nous, qui n'est qu'à le payer 5 ans, c'est pas un secteur privé qui a le payer 5 ans, c'est qui parle pour le ministre qui a le payer 5 ans, Gengou. Fon ka dit ça bien fort tout. Il y a un ministre qui a payé 5 ans la veille avec un ministre là. Mais sous loi, regardez, la loi dit qu'il n'y a pas bon qui l'est. Non, la loi n'a pas criminalisé, mais c'est ça le problème. Il n'y a pas fait rien de mal, non? Il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas fait rien de mal. Mais s'il te connaît, il n'y a pas de prison. Parce que normalement, dans n'importe qui pays sérieux qui respecte tête, li, n'est que ça, pas pour un ministre. Il tape dans prison déjà. Non, mais il y a deux barils là, qu'on y a. Il y a des gens qui posent un problème, puisque ils viennent diriger l'État pendant qu'ils ne respectent pas les lois. Ils viennent payer d'un coup, et on va être forfaitaire quand même, avec un nègre qui prend TCA et il va payer. Bon, ça, regardez. Moi, la TCA et l'impôt sur le revenu sont des taxes, donc c'est la fraude fiscale. Nous devons aller vers un système répressif, si je peux dire. De pour l'imposition ou monde qui fait faute yo faut qu'a payer ça très très important donc et moins quoi que est-ce que là on pas senti aux grandes difficultés puisque on gagne un business et puis qu'on y a pour DGI met un système même gens ça fait dans tous les pays du monde pour contrôler chaque grain bagaille ou vendre pour garder TCA pas là c'est pas un problème bon parce que monde qui fait business là les content d'un coup, là, il est allé tout. Parce que les gens qui sont en politique, là, d'un coup, là, il paye 5 ans. Mais les gens qui sont en business, d'un coup, là, il est tout. Là, il paye un com. Dans le DGI, il va payer sous chaque grain de bail. Bonjour. Les gens qui importent, et moi, je suis quoi? Un importateur de véhicules. TCA prend depuis la douane. Vous comprenez ça? Oui. TCA prend depuis la douane. Donc, je n'ai pas le choix. Or, je ne vais pas immatriculer aux machines que je vends si je ne passe pas par la douane. Donc, il y a des secteurs qui. Parce qu'il puis ferme à la fraude et à la contrebande. Même pas le plus loin, personnellement. Si nous cherchons archives nous de 2005, lorsque je suis une première fois président de la Chambre de commerce, dans mon discours d'inauguration, je me suis dit, deux plus gros problèmes pays d'Haïti, c'est contrebande et fraude fiscale. Et Réginald Boulos gagne à peu près 14 ans que m'a fait même discours. Si nous pas fermé contrebande là, si nous pas fermé et faute fiscale là et si nous pas moderniser loi nous yo, si nous pas moderniser loi nous yo, nous pas ca sortir côté nier. Mais toi ba au mandé là,
est-ce qu'on pas risquer un rejeton de classe d'affaires Godoya, parce que c'est eux-mêmes qui profitaient de ce abus là. Ma pour rejeton d'un parti classe d'affaires, ma pour gros rejeton de secteur politique là. Comment expliquer ça? Non, parce que le secteur politique a pas voulu ça à tout. Ça lui a bénéficié de lui. Mais écoutez, nous sommes ça gagne des gros hommes politiques, sénateurs, députés, qui dans contrebande avec homme d'affaires. Donc quelque part, c'est une mafia. Son mafia qui formait d'hommes politiques, d'hommes sociaux, d'hommes économiques, qui prend pays ça en otage dans contrebande, fraude fiscale. Bon, longtemps drogue là, t'es un gros bagaille, même j'ai l'impression comme s'il voulait baisser. Mais tout le monde connaît, écoutez. Donc ça veut dire qu'on lit des politiques qui doit parler, la critiquer, classe d'affaires, qui fait contrebande, nous t'as dit. Moun kap tande, nous kap gade nous là, pour qui paye parce que nous n'avons pas à l'arrivée. C'est ça qui a passé tout le temps. Écoute, moi même Balvin son dossier, avant que probablement tu as Balvin avec. Yo fait un an et demi, y a diabolisé pour un dossier ou na. Ok? Et m'dap vin sous dossier okay. Ça. Mais m'ap tout vin avec pour m'ka bon exemple à soi. Nous voyons qu'on pose, mais on met tout la gueule. Okay. Parce que c'est quelque chose qui pire toujours. On m'ap dit, m'ap prêle présenter. Est-ce que vous voulez me proposer? Est-ce que vous voulez parler? Non, allez, on met la ligne. On apprend. Dossier ou na son prêt, effectivement. Ce serait long prêt participatif. Côté que, mon fruit ou na, on proposition pour le bon mon prêt pour m'acheter Nissan en échange que pendant 10 ans, il gagne 1% et demi sous toute Nissan que me vend dans pays. En dollars. L'ONA touche chaque mois 1% et demi sous toute Nissan que me vend chaque mois. Pour un bon exemple, entre février 2017 et février 2018 et janvier 2018, me paye à l'ONA plus que 800 000 dollars américains plus 23 millions de goudes d'intérêt. Maintenant, m'tan des nèg secteur privé, m'tan des sénateurs. Un sénateur qui est dans l'affaire sociale, un pile sénateur, vous est monté, un sénateur qui est dans Kinkino Avem, tout bagay. Mais moi-même, monté dans le dossier, on a, n'est-ce pas, on a pas l'argent payé. On va publicité, non. Début de dire Kinkino, nous t'es là. Ok, ok. SFT Feli, bon, c'est bon. Jacques Sauveur, on va publicité, nous va venir répondre. Écoutez, écoutez. Mais on comprend ça, on va publicité, non. Oui. Parce que c'est pas Jacques Sauveur Jean qui est problème là. C'est pas Jacques Sauveur Jean. C'est-à-dire que depuis toujours, l'ONA a été. A donné des prêts à des sénateurs et des députés. Moi-même, moi, on prêt au sénateur sous Préval, on prêt 99 ans. Moi, on prêt à. Elle pas jamais payé. C'est juste une bonne aujourd'hui. Santé. Et docteur, ici, juste une bonne santé. Et on va jouer. Est-ce qu'on a combien de cobres? On va deux chiffres. On va deux chiffres. L'ONA, aujourd'hui, a gagné 1 milliard de goudes d'improductifs. Quand ça veut dire productif, ça veut dire prêt que le fait à moun qui pas payé. Moi-même, c'est ça que fait soit regarder chaque mois, moi font tweet. Côté me dit, mandé pour l'ONA, bah, liste tout le monde qui prêtait comme dans l'ONA, qui pas payé. Mais vous refusez faire. Vous comprenez ça, vous refusez faire. Parce que si directeur ONA a fait, il a convoqué le demain matin dans le Sénat pour destituer. Et ça veut dire grand-pile sénateur. Mais normalement, grand-pile sénateur a député, gen l'autre homme tout, m'a dit c'est sénateur. Mais si aussi, non, ça va blesser nos besoins. Hein? Yo cité non. Non, parce que. Est-ce que Dogi Pillage, qui a passé? Écoutez, parce que si cité non. On est qui comprenne ou n'a pas payé et qui vient cité non dans la radio. Ouais, ils sont malfaiteliers. Bah, malfaiteur moi-même. Mais pourquoi ça fait prêter dans ONA alors que c'est peut-être monde qui était Saint-Louis avec vous? Mon dieu l'école ensemble avec vous, c'est des gens qui ont même classe d'affaires ensemble avec vous, qui fait banque, qui gagne cob dans taux réserve obligatoire, eux grand pile l'argent. C'est pour ça pas non mais obligé. Pour ça c'est nanti ça peut-être l'autre monde dans classe moyenne qui dans l'université, des monde qui gagne des projets start-up qui t'a venir pour ça là aller au même. Et venir bamjou. La loi organique, on va répondre aux lois. Non, pas répondre. Et pas droit pas gagner, non. Non, même pas répondre nous d'abord. D'abord, on garde loi organique qu'on a. Loi organique on a dit que l'argent l'on a supposé servir à quatre bagailles. Premièrement, à frais de fonctionnement on a, qui pas supposé dépasser 12% de collecte que le faire. Je dis à Mkadjou, il y a 50%. Elle dit que quoi moun nan baye pour faire retraite l'IA, c'est dans l'opération on a le passé. Mais ça va déjà ranger personne que on a 2000 ou 3000 employés. Ok? Nous pas même nos sénateurs parler de ça. Que on a gagné 3000 employés parce que pour qui ça? Chaque sénateur gagne 25 moun ni ba on a employé pour lui. Ou chaque député voye 10 moun pour employer pour lui. Donc il pas critiquer ça.
Deuxième bagaille que l'agent a servi, c'est payer assuré. C'est-à-dire que pour qu'ils soient contribués au Naïvenet, c'est que lors ils vont leur avoir besoin de pension, il faut qu'ils jouent une pension dans ONA. Mais quand qui troisième bagaille dit, fait des prêts rentables pour l'institution. Pour qui ça le dit ça? C'est parce que comme vous baillez là, il venait, ou comment c'est baillé peut-être depuis 10 ans, goud ou te baillé là, à l'époque, goud là, t'es 25 goud pour un dollar, je dis à 80 goud pour un dollar, le n'a pas le bon pension et qu'il n'a pas fait quoi ou a fait petit, ça là bas, on n'a pas même qu'à acheter 3 citons avec, non? Donc, le n'a pas obligation. Non, même on est arrivé où? Ça va ou n'a pension en pas ou courir prêtel? Non, c'est pas ça m'a dit. Ça va gagner pour avec ça. M'baille pension, m'baille comme maintenant on a chaque mois. Ça dit, c'est comme ça que le prêter by différents institutions, c'est comme ça que pour permettre lui faire rentrer pour le faire. Aux États-Unis, ou quand qui plus gros moteur investissement aux États-Unis, les fonds de pension. L'ONA est un fonds de pension. L'ONA n'est pas un fonds d'assistance sociale. Ça, son va toujours mal concevoir en Haïti. L'ONA n'est pas un fonds d'assistance sociale. Son fonds de pension, c'est l'argent patron à ouvrir. C'est un gros problème comme ça, Canada, raquette de fonds de pension, etc. Les fonds de pension sont les grands générateurs d'emplois. Si l'ONA prend Kobli et puis le quitte le Chita dans la Banque Centrale, j'en ai fait pendant des années, on le ses oreilles bourrées quoi toucher. Donc l'ONA a l'obligation. Et le prêt de l'ONA que nous avons fait, c'est l'un des prêts, vous rien doit demander, même auditeur ONA, c'est l'un des prêts qui a le plus rapporté à l'ONA à date. Or, on n'est qu'à citer le nom là, son église même qui prêt 20 millions de gouttes, 30 millions de gouttes, 40 millions de gouttes. Et puis, pas jamais, qui pas jamais payer. On nous propose là, nous continuons à bout de bain à venir dans l'ONA parce qu'on continue à bain tout petit. Mon yo dit là, faut me dire le bouyo. Pendant tu poses à tout garder tablette là pour réaction de toi moun, gien bon gien pas bon, donc vous gardez tout pour n'gaba. N'a pas supposé à Ricardo, n'a tourné tout à l'heure. Haïti pas bon pour you ni bon pour l'autre. Moi ouais Haïti go chablaque yo. Moi ouais Haïti étranger yo. C'est pas pour tout le monde que Haïti pas bon. Cotisation, charité pas contre sorti au pays dans côté lié là. Charité pas sorti pays côté lié là. Ça que sorti pays, c'est créer emploi, emploi qui paye bien. Et je dis à ma précisé pour vous, comme je mette le nom tweet, que je n'ai pas employé qui touche salaire minimum là quand même. Parce que je proposé l'État mette salaire minimum là à 585 gouttes, il mette là 500 gouttes, moi-même je mette 585 gouttes là. Mais il y a des gens qui allaient plus haut. Oh, même payer plus que 500, mais pas le salaire minimum. Il y a des gens qui payent plus parce que le secteur privé. Ça veut dire payer plus parce que. Qui paye plus que ça. Même salaire minimum. Même payer plus que salaire minimum. Un technicien, mécanicien là, quand même. Son nèg qui fait 40 000, 50 000, 60 000, 80 000 gouttes, dépendant du travail qu'il fait. Mais qui privilège ou baille en plus de ça? Tout, il y a une assurance. Tout employé a une assurance. Assurance au Fatma ou bien non, assurance? Non, il y a au Fatma, puisque au Fatma, ce n'est pas vrai. Parce que, okay. Pour ça, me dit au Fatma, ou comme ça veut dire. Au Fatma, c'est le gain vrai. Je n'ai pas employé par une assurance médicale privée. Je n'ai pas par une assurance médicale privée. Moi, j'ai toujours contribué à la rentrée des classes par une prime qui équivaut en général à 15 jours de salaire. Et moi, j'ai payé employé en fonction de travail. Je n'ai pas que soit le enquête dans institution que nous avons dans yo. Il n'y a pas vraiment de frustration parce que côté ou même côté non parce que c'est sous base travail mécanicien c'est à l'heure que le toucher en fonction de travail il fait ça à l'heure trouver donc il n'y a pas de limite dans ça le faire il pas toucher un salaire fixe il n'y a pas de limite plus il travaille bien plus il fait revenu pour l'entreprise là c'est plus puisque son pourcentage que le joigne donc Le salaire minimum aujourd'hui, par contre, et comme on a parlé de salaire minimum, m'a vienne sous lui. Il y a une dans monde qui t'a dit, dans l'assemblage là, qui c'est un revenu en dollars, pour qu'il ne soit pas indexé, salaire minimum là, au taux de change. Elle dit, je dis, ou bien 420 gouttes qui ont été fixées pour salaire minimum ouvrier assemblage, et bien je dis, il y a 480 gouttes. Si on te mettait là 6 dollars,
Même si dollar le goût de la 70. Vous savez, vous les mettez là avec dollar, alors que son pays. Parce que rentrer par légalement, dollars, légalement, non, c'est. Pas payer en dollar, non. Bah non, même si vous payez en goutte, mais de vous faire calcul. Vous pouvez imaginer nos devises qui pas. Mais écoutez, qui pas rapport. Le revenu, le revenu dans l'assemblage, c'est fait en dollar. Mais le revenu dans l'assemblage, c'est fait en dollar. C'est exporter à exporter. Sans dollar touché. Donc, vous comptez qui monde qui gagne lorsqu'on pas fait ça en dollar là? Le patron. Donc, je devais devoir défendre le patron là, évidemment. Je défendre. Je vais défendre Pito. Non, je vais défendre Pito. Il y a une autre monnaie. Est-ce que c'est consacré à la République dominicaine? Est-ce qu'on a un business à la République dominicaine? Non, mais écoutez. Là, est-ce qu'on fait business à la République dominicaine? Non, du tout. Pas un business aucun ou par contre, qui genre fonctionne tout? Marché dominicain. Non, on connaît que la monnaie est stable. Eh bien. On connaît que la monnaie est stable. Donc, est-ce que c'est sorti à fait? Non, mais du la monnaie est instable en Haïti. Je dis à qui ça crive. Ouvrier assemblage là, en 3 mois, il saute perdu 60 gouttes. Il saute perdu 60 gouttes dans sa lèvre. Mais tout bagaille, tout prix bagaille monté. Non, mais prix bagaille qui monté, il fonctionne justement de gens nous comprennent l'économie en nous-mêmes. Oui, oui. Mais si vous êtes capable, côté que les industries liées à l'exportation, ou même pas l'assemblage seulement, les industries liées à l'exportation, pas de raison que ou pas de fond façon que ou bien salaire là réévalué chaque 3 mois et pour toujours c'est l'état qui réévalue. Mais qui paye ça fait? Mais écoutez, ou paye ou qui doit réévaluer ça? Non mais non, mais qui paye? Même pas bon oui, même gars exemple. Faut un exemple. C'est ça. Nous pas réinventer là où. Il venait c'est ça réinventer là où. On fait ça tout pays fait, on fait ça la République dominicaine fait, on met ton état de droit. Non, ou gars venir ça dire. Non, ni t'en fil dit pas maintenant. Ouvrez non, écoutez il venait, ouvrez comparer. On bagaille que me proposer par rapport à d'autres pays. Mais oui. Mais en réalité, on compare tout bagaille à d'autres pays. Eh bien oui, non, pas de problème, non. Pas maintenant qui ça moins dit. Bon, on est si bien l'autre pays qui va faire. Eh bien, donc, mais non, ça pas veut dire pas. On a moins pas un problème. Ça veut dire parce que pas l'autre pays fait, nous pas faire. Non, est-ce qu'on a réinventé là-haut? Non, c'est pas. Mais dans l'économie, oui. Mais normalement. Ou dans l'économie. Oui, Kagame a réinventé là-haut. Par exemple, non, ça n'a pas parlé là. Il a réinventé là-haut. Non, ça n'a pas parlé là, dans l'économie. Oui. Où qu'a fait? En nous clé. Où qu'a fait? Parce que. Bon, je vais aller très loin. Au niveau de dévaluation de la goutte, il faudrait revoir les salaires tous les 3 mois. Parce qu'il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le patron. Il n'y a qu'un seul gagnant, c'est le patron aujourd'hui. L'offre fait que salaire laisse chaque un an ou prend pour réévaluer, le vrai perdant c'est l'ouvrier, le grand gagnant c'est le patron. Moi je dis réévaluons le salaire tous les 3 mois. Tant qu'on n'a pas mis en place, les grandes réformes qu'il faut, les réformes de l'économie, les réformes des lois, l'application de l'état de droit, tant qu'on pas fait ça. Ok, il y a Samuel Jackenson, Titus, qui au Chili, il dit chaque 3 mois, il fait ça. Eh bien, bon, voilà. Justement, ils ont demandé, qui connaît. Mais je ne connais pas. Non, je connais. Non, donc moi, ça veut dire non, que. Même tout, ça veut dire que. Besoin qu'on ait. Pour ça, quoi, pour ça, dit, pour nous, pour la pas vin, yon bagay, c'est comme si, ou même, ou gomba et wabdi, et puis n'a fait auditeur et spectateur répétez le et puis n'a pas référence sous même pas besoin de là je non faut une référence sous par exemple c'est l'économie non mais il y a toute chose à un moment c'est la première fois qu'on l'a fait dans un pays quel que soit ça n'a pas l'air son jour première fois fait dans un pays alors ça ou si ça c'est ou pas qui fait tout à gagner si c'est Haïti qui te fait d'abord ou pas qui fait tout à gagner si c'est Haïti qui te fait d'abord moi même moi quoi je dis à dans état de décote de la goutte que tu as, nous devons réfléchir à la question de salaire. Parce qu'aujourd'hui, très simplement, Yvener, le salaire de l'ouvrier vient de perdre 20% de son pouvoir, 15% de son pouvoir d'achat. L'heure passée de 70 gouttes à 80 gouttes, c'est 15% de son pouvoir d'achat le perdu. Mais patron lui-même, il n'a pas perdu rien, non? Il n'a pas perdu rien. Parce que, ou achète ton produit, ou paye le pichet en gouttes, ou vend le pichet. Mais l'ouvrier a arrêté à même salaire-là. Donc moi, je suis en faveur d'une révision constante du salaire minimum. Je suis d'abord en faveur, bon faire back un peu, des grandes réformes économiques qui pour permettre nous stabiliser le goût de là. Parce que pas oublier que tu parlais de importation, ça nous importait. Oui. Donc, les largement supérieur de ça nous exporter. Oui. Maintenant, à ce moment-là, le ou vina solution ça qui sont faits de importation. Est-ce que pas gain plus investissement dans production nationale là qu'il dans combien de temps pour nous capable ajuster ça investissement en production nationale là l'a fait lorsque d'abord il y a un contrôle de nos frontières.
Parce que en réalité, c'est la contrebande qui détruit la production nationale. La contrebande est le plus grand ennemi de c'est plus gros ennemi production nationale la gagne. Donc d'abord faut nous mettre fin à contrebande. Ouais, a parlé. Ouais, a parlé tout le temps qu'on l'autre bambra vienne sous lit. Il a parlé tout le temps de franchise et puis il dit que Intel gagne franchise, Intel gagne franchise. Bon, moi-même, je dis à me venir en proposition. On élimine toute franchise d'Intel. Même pas l'État. Parce que c'est même. L'État qui parle pas de droit de douane, c'est la qualité encore la patrie. Donc, il n'a pas perdu rien. On élimine toute franchise. Nathalie. Donc, on a un problème, on perd du ça ou même. Pas de franchise. Pas bénéficier de franchise. Pas aucun business ou faire dans le pays. Du tout. Pas de business qui est franchise. Quand il y a l'État, acheter une machine là même. Non, c'est l'État qui est franchise. Peut-être c'est ça qu'il faut payer à l'aise ou m'éliminer là. Mais écoutez, je dis un bagage que y a toujours à dire que je suis franchise. Ok. Donc, qui met un jambon pour me dire que je suis franchise? Je dis retirer. Je dis retirer. On retire pour tout le monde. Retirer pour l'État, l'État va faire joint. Vous pouvez vous faire une correspondance, vous avez un ministre de Finances, on dit, bon, ou même vous demandez de retirer tout. Même pas de franchise. Non, vous demandez de retirer tout. Même avant de dire la radio, elle est ouverte. Je suis un citoyen engagé. Okay, je le dis publiquement là. Enlevant toutes les franchises, sauf les industries liées à l'exportation. Ça veut dire, c'est pas. D'ailleurs, pas même franchise. Son importation temporaire liée. Ou importe un tissu, ou couper, ou faire t-shirt, ou retourner, ça sont les importations temporaires. Mais pour qui ça, ONG, pas payer les droits de douane? Pour qui ça, ONG, pas payer les droits de douane? Sans pile quoi, oui, l'État a prêté. Ou quand vous voyez l'État a prêté, c'est presque un milliard de dollars, oui, l'État a prêté. S'il éliminait toute franchise dans le pays. L'État n'a pas besoin d'acheter machine en franchise, l'acheter la droite douane. Droite douane, c'est là qu'elle est encore tournée. Donc, le nez est zéro pour lui. Il paye droite douane, il reprend la taxe. Que un côté peut-être qu'il a souffert si l'État dit qu'il va acheter machine encore. Mais ça fait il va acheter machine neuf, la préparer ça. L'État n'est pas mon plus grand client. L'État n'est pas mon plus grand client. Là, monde là, parce que... Mais l'État n'est pas mon plus grand client. 80% de mes votes sont faits au privé. 80% de mes votes sont faits au privé. Bon, on ne peut pas comprendre ça très bien. Mais écoutez, mais ma bonne chose, par exemple, regardez la police nationale. Mais ma bonne qui m'équipe en machine. Écoutez, moi, je vends 933 Nissan pour année. L'État n'a pas acheté 150 machines, non même. C'est pas vrai, ça. Mais vous devez mettre une alors, vous pensez que la police a gagné 100 Nissan, non même. Il n'y a pas ça. Mais vous c'est pas 12, pas 10, je prends. Vous n'avez tellement pas être 9. Eh, mais pourquoi tu parles 9? Moi, je vends 933 machines. L'État n'a pas acheté plus de 80% de ces secteurs privés qui achètent. Okay? C'est très simple. Gardez machines. L'intérieur, ça défend pas de tol. Pas du tout. Parce que c'est grand pile, l'intérieur. Mais écoutez, on va parler pour secteur privé. Non, sérieux. Non, mon cher. Mais quatre polices non intérieur, c'est tout. Mais écoutez. Moi, l'intérieur, ça me fait 300 TEOS chaque année. Au total, pendant 8 ans, l'État a acheté 200 TEOS de moi. C'est pas vrai, ça. Mais écoutez, alors, comme c'est. TEOS ou un dans la rue, qui est dans la police, ça, c'est chaque année l'acheter. C'est pas chaque année l'acheter, mon cher. Papa, ouais, conception, ça, il pas bon, Yvenel, pas bon. Non, on va parler, là. C'est-à-dire que. C'est possible de gagner pour moi. Moi, je m'en fous que l'État n'ait plus de franchise et je vais aller plus loin. Je m'en fous que l'État n'achète plus de voitures de moi. Je m'en fous. Ça veut dire que si je dis à un gouvernement qui vient, il ne dit pas acheter machine dans mon. Mais vous voulez me répondre? Préval fait 6 ans, il ne va jamais acheter une grande machine dans même. Donc, côté, qui est le déranger? Qui est le terreur, ce devini? Soit Aristide. 40 terreurs, soit Aristide. Malgré le décours de la société solaire. Après, non, non. Là, c'était 40 terreurs. C'est non, quand même. Mais c'est mauvais, quand même. Avant. C'est pas ça qui fait me vivre. C'est pas ça qui fait me vivre. Quand ça fait me pas vivre, c'est le pays à pas bon. Ou quand ça me t'arrête, il venait. Je que le secteur privé a vendu 28 000 machines, même en République dominicaine. Ça veut dire que je que. Et pour faire le fond, on a travaillé. Mais c'est ça, m'a dit. Sauf façon pour me dire, je n'aime autant mon travail ici qu'en République dominicaine. Je n'aime pour que les Haïtiens n'aient pas besoin de traverser frontières, apprendre et humiliation dans mes Dominicains. Je n'aime pour que chaque monde dans le pays d'Haïti, pour nous résoudre la crise sociale pays, pour nous régler la crise économique pays. On va vendre aucun matériel qu'avant. Soyez le matériel caravane. Non, il y a une caravane qui a fait un peu partout dans le pays. Mais tout le monde connaît. Écoutez, il va falloir faire 5 hommes dans la caravane. M'a pas le dire un bagage qui n'est pas réel. Tout le monde connaît que il y a 3 compagnies, Autoplaza, Echant Tractor, Automeca, qui baillent gouvernement crédit pendant 4 ans pour le déjoindre équipement caravane. Comme ça, vous rentrez, non? Vous rentrez, non? Crédit 4 ans. C'est la première fois que secteur privé, bah, l'État en crédit 4. Donc, ça, c'est l'État qui a un avantage là.
C'est pas secteur rural. On pas connait que un gouvernement vient pas payer. Il pas capable payer l'État il s'est toujours payé dette lui. Il en a fait 3 4 ans pas payer. Mais l'État il s'est toujours payé dette lui. C'est pas intelligent donc on mettait 4 ans dans main je venais là donc ça veut dire monsieur dans mon là pratiquement. Pour ça dans même. On est guide ou pas que 4 ans. Donc là, d'où est la banque ou dans la banque là? Oui. Non, mon cher. Oui, ou gon kaye. Mon cher. Ou gon kaye pas gafan. Parce que m'ta do di. Non, m'ta do di dans début émission, son émission qui là pour aider Mounio ou Piclet. Donc, faut ou qu'on est dans qui situation nous y est. Et al d'un bagay comme ça, absolument, dans quoi un crédit fait que, au contraire. Bon, au contraire. Si le président est capable de faire un jeu pour ne pas jamais payer, l'État ne doit pas parler avec lui. Non, mais c'est vous même qui vous montrez que le Panama, parce que c'est pas le président d'eux. C'est pas le président d'eux. C'est l'État d'eux. Le président pas de mon goût. Mais on va te battre Matéli 4 ans. Non, écoutez, c'est l'État d'eux. Mon préférence. On va te battre Matéli qui ça 4 ans. Matéli pas demandé. Matéli pas demandé. Matéli pas demandé. Malgré les amis, j'en ai bien avoir. Matéli pas des amis. Matéli pas de même juste pendant les 3 premières années tout le monde connaît que m'pas en face Matéli pas de même donc faut pas dire ouais comme journaliste faut pas dire bagaille pour juste pour faire non c'est pas moi pour faire tout même tout mais quand le lever là regardez nous ouais dans l'émission c'est le 4e bat cette là non écoute Saoudi sans répondre parce que bon 5h12 mais pas dire me sorti pas dire samedi non pas dire juste poser question Saoudi juste poser question en aller juste poser question Baoul en aller ça maintenant je dis Saoudi en aller président Jovenel les amis oui président Jovenel c'était amis ses amis on dit c'était attends parce que faut remonter à l'histoire mes amis président Jovenel depuis 2004 c'est ça l'on commencé travailler dans chambre de commerce. Mais je dis, il faut nous réaliser que le pays a vécu une grave crise. Le pays a vécu une crise sociale, côté moun yo pas gain accès à travail, à santé, à éducation. Le pays a vécu une crise politique. Le pays a vécu une crise économique, qui est un facteur d'instabilité, mais qui a besoin de stabilité pour nous résoudre. Je dis, moi, je crois que le dialogue national là, est important. Révision constitution important et si pour nous aller dans une vraie conférence nationale souveraine qui t'amène des changements même à la tête de l'État moi je crois que le dialogue là plus important que tout le monde le dialogue national aujourd'hui est plus important qu'une personne mais même au prêcher président vous demandez le dollar bon écoutez moi c'est André Michel prêcher le tout non mais ça me dit ça veut dire que problème là va poser là non problème là posé ça veut dire pourquoi fait elle dit que écoutez lorsqu'on président est pour prêcher un bagage et puis il pas fait tout bon problème. Non, c'est pour ça le champion. Ah, il y a des bagages pour le champion. Bon, camper là. Non, il faut admettre aussi qu'on côté le bon. Il faut admettre. Okay. Là, il est bon. Il y a des bagages pour connaître qui va marcher. Bon, écoute. Président, je dis, a une obligation. Il a une obligation envers ses citoyens haïtiens. Et ça, quel que soit un mime, un mou, un mou ou autre, ou une responsabilité pour que. Ou apporter une solution à la crise haïtienne. Et cette solution passe par deux grands chantiers. Le chantier de l'Assemblée constituante et le chantier du dialogue national. Et pays n'a pas le droit de faire les frais. M'te toujours au monde, Mabdou ça y venait, toujours au monde qui toujours dit qu'il faut protéger le mandat du président. Yo pas jamais dit ça, Mabdou, je veux dire. En 2004, m'te en face, M. Apède, dans. Et il renvoie Aristide. Et Jean-Bertrand Aristide qui a témoigné, nous avons la caille pour ça. En 2010, nous avons demandé pour que Préval finisse le mandat après le tremblement de terre. En 2014, nous avons demandé pour que Matéli finisse le mandat. Je dis à ma toujours proposition que font président finit le mandat. Mais elle n'est pas capable aux dépens du peuple haïtien. Donc, quand l'on arrive, solution constitutionnelle là, pas qu'à protéger. Si le pays n'a pas sorti dans la crise d'instabilité que l'IEJ. Donc, vous pensez que si on démission président Jovenel ou bien on mouvement la rue, jeter lui, la mieux? Non, je ne sais pas quoi mouvement la rue, bon pour aucun pays. Pourquoi j'aime un mouvement la rue qui peut une solution? Je pense que d'abord, il faut démarrer le dialogue national. Le président a été élu, il a la légitimité, mais il a aussi le devoir d'engager le dialogue national. Et pour dialoguer à comment, il faut le parler avant, si vous ne voulez pas aller. Bah, c'est que il faut qu'il faut qu'il fait pour écouter. L'homme ne veut pas le parler avant, c'est rétablir confiance.
faut tout effort fait. Est-ce qu'on a des acteurs dans la classe politique qui ont convaincu? C'est pas vraiment ça. Ça. C'est pas vraiment ça. Non, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment de mon combien aujourd'hui sont nécessités. Aujourd'hui, ceux qui détiennent le pouvoir, parlementaire et exécutif, ont le rôle de donner des indications claires et nettes que vous voulez dialogue. Là, moi, le bon exemple. Budget présenté là. Où est son budget qui promouvoit une réconciliation? Bah, on y a un budget qui son budget qui montrait qu'il y a une volonté d'aller vers la croissance, il y a une volonté d'aller vers la réconciliation, il y a une volonté d'être honnête envers la population. Donc d'abord, il faut bailler des gages. Lors d'un pouvoir, il faut bailler des gages de confiance. Avec gages de confiance, tant qu'on y est, on va inviter mon vini et on va mon abvin sous table. Mais il faut bailler gages de confiance d'abord. Et moi, aujourd'hui, je dis au président Jovenel, il faut donner des gages de confiance. Je dis au président Joseph Lambert et au président Garibaudot, il faut donner des gages de confiance. Il faut montrer que vous êtes sérieux dans votre désir de dialogue national. Et l'une des façons de le faire, c'est de dire, je convoque la conférence nationale souveraine et je suis prêt à accepter toutes les résolutions de la conférence nationale souveraine, même quand elle réduirait mon mandat. Voilà comment. Non, voici ça, c'est Valérie Numéro, bah, là. Vas-y, Valérie, bon. Mettez ça sous tapis. Je ne sais même qu'on soit dîme de Valérie. Bon, ou pas contre position, non? Non, pas Valérie. Mais bon, on me répond non. Il mettait ça. Bon, si c'est président qui a réduit le mandat, si Valérie dit ça et que me dit ça, je dis, il fait plus froid. Oui, mon Dieu, c'est bon, d'accord, mais ça. Bravo. Son bel bagaille. Mais c'est comme ça pour l'aller. Il faut aller vers la conférence nationale souveraine. Alors, bien entendu, il faut me dire ça, m'a fait en réserve. Sous parler avec X, Y ou Z dans le secteur politique qui a demandé des conférences nationales, chaque bon définition de lit. Donc d'abord, il faut se mettre d'accord sur c'est quoi la conférence nationale. C'est pour ça que moi, je préfère dire souvent le dialogue national. Mais le dialogue national, c'est deux piliers pour le gain. Oui. C'est deux piliers pour le gain. D'abord, la Constitution, qu'on dit deuxième pilier, le plan de développement sur 30 ans. Il faut qu'on plan de développement pays. Je dis, on a navigué sans radar, sans boussole. Nous ne pouvons pas prendre développement pays. Il faut un plan de développement auquel la population a adhéré. À la limite, il faut un plan de développement qu'il y a un référendum. Nous avons 5 questions pour nous finir. Vas-y. Si entretien ça, je pense que l'autre fois, nous avons invité au tout. Parce que dans le petit de bouche là, le petit de bouche a plus animateur, il y a plus de monde qui suivent lui. Parce que lui-même, ce n'est pas moi-même qui a posé voir le monde, mais il y a une population qui a interagir. Je dis Boulos, il y a un contrôle. Presque 90 à 99% président passé. Sauf Aristide, tu es un petit problème. Tu commences ensemble, après ça, tu as un petit problème. Mais est-ce que c'est vrai qu'on a un contrôle président d'Haïti? En 2008, le président Préval s'est mis en prison avec Gasson. Même Claude Gasson, il était commissaire gouvernement, il devait mettre en prison. Donc, si je suis un contrôle, je ne sais pas quand convoqué, je fais 8 heures de temps. Et finalement, il est là quand même. Qu'est-ce qu'il est? Préval Bajamrelo, je sais pas président encore. Finalement, mais écoutez, je suis un acteur économique. Si je ne pas parler en président, c'est menti. Non, il fait. Non, c'est de Barouzi. C'est de Barouzi. Je parle en 2008. Oui. 3 ans après mandat. Oui, 3 ans après mandat. Donc, c'est de Barouzi différent. Souvent, est-ce que je ne parle avec le président? Je parle à tout le président d'Haïti. Est-ce que depuis Jean-Claude Duvalier sans où? C'est comme si lui fait tentative là, après ça, il vient rendre compte que le pas fait le sang où. Non, il venait, dans qui ça bon, me fait 3 ans, m'a combattu Matéli, Matéli a combattu moi. Dans forum économique. Mais en définitive, mais, c'est le relais, il mettait capli. Oui, mais dans qui ça me contrôle. Mais si me fait 3 ans sous 5 ans que m'a combattu, dans qui ça me contrôle. Non, son tentative pour contourner, et puis mon vient rendre compte, il faut venir m'avoir quand même. Écoute, ça c'est. Écoute, et il venait, ça c'est. Et il ne faut pas perpétuer des perceptions qui n'ont aucun fondement. C'est-à-dire, non, même pas qu'à Wichel de l'ombre. Non, écoutez, ça, c'est fake news. Oui. C'est fake news lié. Vous comprenez? Donc, l'homme où c'est fake news, son savoir m'a répondu, c'est fake news. Parce que je ne peux pas prouver un fake news. Je ne peux pas prouver un fake news. Est-ce que vous comprenez? Donc, si on vient sous fake news. Docteur Original Boulos, oui. Parce que, il y a une réalité, n'a pas parlé là, peut-être, nous, dans le studio, il y a une réalité dans la rue. Oui. Il faut qu'on agisse sur les deux. Parce oui, que pas le Matéli fait tout ça le capable. Non, mais tout dit, c'est moi qui peux prouver. Je me dis, comment je peux prouver? Vous pouvez prouver, bon, puisque. Bon, moi, finalement... exemple de qui ça me peut prouver. Mais voilà. Voilà. Michel Mat, René Préval, 3 ans. Mais 2 années crétées, il vient voir que c'est dehors l'abjoué. L'obligé, à un certain moment, ouais,
c'est pas comme ça pour l'aller. Maintenant Michel Martelly tout fait un bagarre là, finalement relo mettons en commission finalement ou je n'en capable pour lui. Et puis donc, nous avançons. Donc sous 10 ans, me fait 6 ans pas pour le président. Non, attends, on va pas une sortie. Sous 10 ans, me fait 6 ans pas contre l'homme. Mais on pas qu'à diriger sans ou même tant que vous avez bon. Préval, Préval quand même pour non, relo pourquoi je n'ai jamais été proche de Préval. J'ai jamais été proche de Préval. Jamais. Tout le monde compte ça. Ça a été payé comme ça que je ne suis pas proche de Préval. Je ne connais pas proche de Matéli. Je ne vais pas voter pour Matéli d'ailleurs. J'avais fait la campagne de Mme Maniga. On sauve elle. Tout le monde. Mais écoutez, je vais sauver. J'ai sauvé l'alternance démocratique. Je m'en fous de qui est président. Je suis convaincu que l'alternance démocratique est importante. Ça est deux bails différents. Maintenant, si c'est pour ça, je suis très clair à voir. Si c'est pour ça que vous faites un reproche. Que me contrôle le président, d'abord, il était mettre continuer à faire mon reproche là. Parce que map toujours un citoyen cap actif dans ça qu'a fait dans pays. Président Jovenel là, je dis dans ces difficultés économie bayo très grave dans mel. C'est mon nous on parle ensemble avec lui. Ça passe, ça gagne pour lui. Comme solution. Bon, me répondre. Président Jovenel, son monde que m'a appuyé dans la campagne et jusqu'au mois dernier, m'a dit le conseil. M'a dit malheureusement, pile fois, pas de côté conseil. Mais depuis les déclarations de Gabriel Fortuné, je ne fais plus de recommandations au président Jovenel Moïse. Ben, c'est le président qui bat le mandat selon ça le dit. C'est pas moi dans ma palais. Elle dit que. Depuis la déclaration de Fortuné, je ne fais plus de suggestions au président de la République. Il y a Gabriel Fortuné Kabali, il y a Jean-Ricéa Kabali, il y a plein de monde Kabali. Il dit Boulos déjeuner à président régulièrement, est-ce que c'est vrai? Faux. Il dit que tu as un caillou ou l'ouel, et puis ou arrêter beaucoup de président. Alors, c'est ça qui fait un peu près président? Oui. Non, mais on dit ça. Donc, bagage machine. Non, moi, dit où? Non, même bagage machine. Est-ce que vous avez dit là? Est-ce que vous avez dit à Baye que vous avez dit pour vous louer et pour arrêter pipe président? Écoutez, je n'ai pas besoin de détails, mais je réponds très simple. Vous avez machine ça. C'est pas ça. Vous avez machine qui a président. L'homme, monsieur. Ok. C'est un texte. C'est ça. C'est un texte qui a dit. Comme si c'est pour mal à côté qu'il y a président. Ou pour être proche. Pour me garder plus souvent. Oui, plus souvent. Bon, toute la dans la campagne, je me dis, ouais, j'en voulais. Jusqu'à présent, si je voulais, ouais, président, jour. Depuis jour, Gabriel Fortuné parlait de WhatsApp que me font président, que lui, moi, pas, bye, président Jovenel Moïse, je pense. Oui, c'est dégagé. Dégagé. Très simplement. Et moi, c'est bon, je m'a dit dans la radio que je m'a dit. Le dirigeant Boulos, docteur, entretenu des relations avec des mouns dans le soleil, des mouns dans le quartier populaire qui sont armés ou financés pour fonctionner. Est-ce que c'est vrai? Je vais répondre très clair sur ça. Oui, je travaille dans la Cité Soleil. La Cité Soleil, c'est côté, je fais 14 ans et j'ai une relation avec Tirougan, j'ai une relation avec Tigabriel, j'ai une relation avec Iska, dans Belékou. Qui sont pour moi aujourd'hui les leaders de ces zones. Je ne suis pas responsable du désarmement des hommes armés de Cité Soleil. Il y a une police nationale pour ça. Et pas rôle moi ça. Mais son seul bail me connaît. Bah j'aime financer nèg pour ZAM, financer nèg pour match football, financer nèg pour cahier scolaire, financer nèg pour faire programme social. Parce que quand il y a une absence de l'État dans une zone comme Cité Soleil, Tiougan remplace l'État, Tigabriel remplace l'État, Iska remplace l'État, Lolo remplace l'État. C'est la réalité. Si quoi remplace l'État, Chinois remplace l'État. Donc, vous pouvez même pas avec vous, pas problème avec vous même. Vous pouvez composer avec vous, qu'on composer à la faculté de médecine pour vous passer la dernière, qui va avoir un bon laboratoire, je veux dire. Et école normale, qui va avoir un bon laboratoire. Ou plutôt composer à mon ça hôpital. Non, oui, parce que ces populations déshéritées m'ont aidé. C'est mon qui est pauvre m'a aidé. Mon qui est pauvre qui a dit que si vous coûtez jeune Kobona, c'est eux m'a aidé. Donc oui, ça c'est des jeunes Kobona plutôt. Non, c'est pas Kobona, pas pour ça. C'est devoir responsabilité sociale moi. Et ça me pas de problème avec ça du tout. Moi, je raconte une histoire pour qu'elle comprenne. Moi, l'école Cité Soleil qui gagne 2200 timon. Timon yo pas payé écolage, yo pas payé uniforme, yo pas payé droit d'inscription, yo pas payé manger. Yo joine manger chaque jour. 2200 timon. Année dernière, nous fait 98% d'approbation, de réussite dans la 9e année fondamentale examen nationaux. 98%. 2000 Simon Cité Soleil.
Moi, je viens nous don pour me construire une nouvelle école que m'inviter à le visiter avec Radio à faire un reportage. Là, pour me faire appel d'offre, un film d'entreprise qui gagne, le film a dit qu'il peut travailler Cité Soleil. Je suis le Tiougan. Tiougan dit doc, dit que le film a vint travailler, il n'a pas gagné qu'à priver le responsable de sécurité. Mais Tiougan, le monde n'a pas fonctionné à ZAM. Je ne sais pas. C'est pas travail. Si chaque coup est toujours sans âme. Bah jambe ça. Bah jambe ça dans mes tiougan. Tiougan campé chantier 6 mois après. Campé chantier. Moi le petit tiougan pour ça au campé chantier. Il dit me passer terrain basket là trop petit. Donc. Il dit oui, même gon 2000 mètres carrés me demander la famille meuse à côté là. Si me déjeuner me t'a font beaucoup terrain football. Tu tiougan prend ni. Non, tiougan pas prendre. Il va prendre. Là jeune papier, le jeune papier. Yo balil. Yo bail l'école là li. C'est ça me compte de Tiougan moi-même. C'est action sociale que le fait me compte de lui. On va travailler social... travail à Anel lui-même dans cité du. Je pas compte qu'est-ce qu'il y a Anel là. Pas travailler. Si je sais au moins on va faire moi-même c'est cité soleil qui intéressé. Comme moi de Bourgui ça me parle aller, nous cité soleil intéressé. Cité soleil. Moi fait 14 ans cité soleil. OK, cité soleil intéressé. C'est pour ton bon hôpital pour okay. Et m'a toujours continué bail aide capable passer cité soleil, c'est la caille moi. C'est la caille moi. OK, c'est me fait 14 ans là, l'autre fait 14 ans en ville, il est la caille. Donc, tant que quelqu'un qui travaille Cité Soleil qui voulait faire bien, m'a travaille avec. Donc, comment c'est le problème ça Aristide Gavo parce que soit dans cité à Bastion. Bon, écoutez, c'est Aristide qui connaît le problème lui avec. C'est pas moi qui connais. Non, soit Alland, ou connaît c'est pour les lier, c'est l'or qui travaille. Comment pour les lier? Même de travailler là avant de paraître. Il va comment pour les lier? Allemand de mon Cité Soleil c'est, si Cité Soleil c'est pour Aristide non. Alors on met, il on met souvent tu parles le malin dedans, on connaît. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai ça dit. C'est fake news encore. Ah bon? Oui, fake news. Ok? Fake news. Et puis, à l'aise en dedans, tu dis. Définitivement. Ok? Définitivement. Ok? Ou te mettre dans Cité Soleil, elle fait enquête. Ok? Donc, quelque part, Cité Soleil, c'est la calme. Dernière question. Non, qui t'aime fini. Cité Soleil, que ma parole avec vous, là, vous connaissez ça très bien. Vous connaissez qui ça m'a déposé pour vous dans l'école de Sainte-Catherine, dans l'hôpital de Sainte-Catherine. Vous connaissez qui ça m'a déposé pour vous dans l'école Boston, dans Sainte-Chapi. Et nous avons toujours été proches pour nous porter le maximum de support capable de porter pour vous. Fake news. On commence par fake news. Bravo. De toute façon. Bravo. Donc, fake news. Je dois essayer. Bon, ça, on ne peut pas dire oui ou non, parce que bah, ça, c'est avec le département d'État au Géril. Mais je dis Boulos dans le secteur privé à son CIA. Et si je dis Yves Ness son CIA tout. Je dis non. Eh mais je dis non. Je dis non. Aussi simple que ça. Je n'ai pas un passeport américain moi. Je n'ai pas un passeport américain. Ok. Je n'ai pas un passeport américain. Je suis né à New York, j'ai un passeport haïtien. Je en 2011. Né, je suis né. Non, pas en 2011. En 2011, vous n'avez pas de passeport américain. Non, non. Du tout. Du tout. En 2008, je n'ai pas un passeport américain. En 2006, je n'ai pas un passeport américain. Ou pas un passeport américain du tout. Du tout. J'ai un visa américain sur passeport. Je suis né avec deux nationalités. Je suis né haïtien. Choisi haïtien. Je suis né haïtien. Je suis né américain. Je suis né de père et de mère qui sont nés, qui sont des haïtiens d'origine. Parce qu'ils sont nés en Haïti de père et de mère haïtien. Donc, selon sa constitution. Selon la constitution dit. Je suis né américain parce que je suis né sur le sol américain. Et ouais, question ça. Premièrement, je ne suis pas américain. Moi, question ça, messieurs. Si nous pas prendre dans le débat national, tout le monde qui est au Chili, je dis à Cap fait petit. Tout le monde qui est New York, je dis à Cap fait petit. Pas bien défendu, ou même clé déjà. Qui t'aime fini? Non, non, qui t'aime. Moi-même, je suis clé. Même je dois défendre. Ça va empêcher de me défendre. Ok, ah, ok. Moi, fini. C'est parce que je fini. Si je pas clair, si je pas clair, je vais défendre. Je vais dire, c'est peut-être même à défendre. Même fini clair. Je vais rien pour moi. J'avais droit à deux nationalités, j'ai choisi la nationalité haïtienne. Et il faut me dire que chaque fois que je viens dans l'immigration américaine, l'officier a regardé, il dit, mon fait New York, comment fait que ou haïtien me dit, parce que moi, non, c'est la nationalité américaine. Il dit, je ne pas qu'on a rencontré ça souvent. C'est mon acte de foi dans mon pays. J'ai 62 ans, Yvener. J'ai passé un an dehors d'Haïti. 61 ans en Haïti. Toutes mes études en Haïti. Alors, 60 ans en Haïti. 61, donc j'ai 62 ans. Je fais un an de Haïti, 61 ans ici. Okay. Mais par contre, je dis dossier nationalité. Côté tout classement en Haïti, je dis, petit fait aux États-Unis. Tout le monde qui a au Chili, petit l'a fait au Chili. Est-ce que nous avons éliminé entièrement citoyen ça yo?
dans la vie politique haïtienne. Ça sont questions pour l'avenir. Qui pour l'avenir d'Haïti. Dans la conférence nationale là pour y mettre qui pour mettre dans le débat parce que sont questions extraordinaires contre qui ça. Parce que là nous besoin consultants dans le chercher dans tout pays pendant que nous avons des haïtiens bien formés. Mais parce que tu es obligé pour une nationalité américaine ou nationalité canadienne, nous pas qu'à servir avec. Let's now mi champion, nous relais nous. Nous relais nous nous font nous font petit avec. Mais tout avant nous pas reconnaître ni comme haïtien. Nous étions japonais hité. Mais c'est qu'on nous connaît comme haïtien. Faut débat ça a fait. Mais moi je te réponds encore, je suis haïtien, né de père et de mère haïtien qui eux sont nés haïtiens. Docteur Reginald Boulos, c'est sorti dans Cité Soleil, faculté de médecine, etc., jeune étudiant en Haïti. Pas candidat pour 2022. Candidat absolument à résidence. Absolument pas. Absolument pas. Mais puis vous voulez mourir là, oui. Absolument pas. Tout le monde pense au candidat, hein. Absolument pas. Fake news. Puis gars, tu vas répéter. Hein? Puis gars, tu vas répéter dans radio et puis on va pas répéter toi encore. Fausse nouvelle. Fausse nouvelle. Parce que j'ai un problème peut-être au cas nous compte que ou a gagné c'est négio, négio dit au candidat pour 2022 red. Mon cher, bon dieu petit bagaille. Si c'est pour ça négio pas payer a bon problème, négio pas aimer payer. Négio pas aimer payer. Parce que tu as fait un bon président. M'a dit ça. C'est-à-dire que son nègre ou son homme politique, c'est ça qui intéresse aujourd'hui. C'est à l'emmerde de Reginald Boulos parce qu'on pense le candidat ou pas un pays. A cherchons l'autre bagarre au fait. Parce que moi-même, c'est travail, ma travail. Ma créé emploi. Moi, ça, m'a préouvri Clercine, je vais 150 mon emploi. En décembre 2019, m'a ouvri Delima Tujo, je vais 150 mon emploi direct, 1000 mon emploi indirect. En 2020, m'a préouvri Delma 32, Delma 30. Donc, m'a dit, mon Delma, zami mio. Parce que c'est pas eux qui te viennent déchouquer Delma 30, c'est pas eux qui te viennent déchouquer Delma 32. Tout le monde connaît, c'est vous qui te voyez. Qui est-ce? M'a dit, j'aime qu'on qui moun, ça pas intéressé. Moi, je regarde toujours devant. Non, mais c'est pas eux, c'est pas moun. Parce que qui est-ce qui voyez? Non, m'a dit, vous faites différence. Non, mais écoutez, soit un groupe moun rivé, saute depuis l'autre, bois, descend depuis dans où elle nage, on monte, vient, on connaît pas moun, même pas qu'on qui est voyez. Ou pas c'est ça qui intéressé? C'est devant m'a regardé. C'est devant m'a regardé. Elle dit que. Peut-être que nèg te pensé que t'es fini avec moi, si c'est du yet. Et puis je dis à yo pem parce que je dis que candidat à la présidence. Y'a pas besoin de pem. Fake news. Mais vous dites vendre des limites, yo? Absolument pas. Absolument pas. Fake news. Fausse nouvelle. Non, pas grand-chose que je dis que vous êtes alors. Mais on se dit, merci beaucoup, Yvenel. On dit que c'est parce que mon yo pensé, un candidat à la présidence, y a plagué fake news. Parce que vous pouvez vous vendre toutes des limites. Merci beaucoup, Yvenel. Parce qu'on sort de montrer peuple là. Ou sauf montrer peuple haïtien que tout ça a dit sous Reginald Boulos, c'est parce que peur Reginald Boulos comme soi-disant candidat à la présidence. Donc il y a voué flit sous lui. C'est flit ça relé. OK? La réalité, c'est que Delima toujours a construit. La réalité, c'est que Delima Tessin a ouvert dans 3 semaines. La réalité, c'est que m'a construit le plus gros centre de convention dans le pays, dans El Rancho. La réalité, c'est que m'a construit 3 salles cinéma dans El Rancho. C'est ça que la réalité. Nous sommes investisseurs qui croient dans le pays. Nous sommes hommes du secteur privé qui respectent les lois de ce pays. C'est ça qui fait peur. Dernier petit bout de question. Jovenel Moïse n'a pas aucun avantage de le monter. Absolument pas. Absolument pas. Zéro. Si vous avez le compte, vous avez le compte, vous avez fermé tout ça. Mais si vous avez le côté de la visite, la loi dans le Rancho. Mais la visite en pile côté, la visite Brasserie, la couronne. Pour que ça, c'est moi qui suis dans mon cité. La visite Brasserie nationale. La visite en bon côté. Et vous dites, c'est moi qui viens visiter. Mais son projet intéressant, un président de la République doit le faire. C'est son devoir. Parce que c'est des emplois que je crée. C'est de l'investissement que je fais dans le pays. Qui ça veut dire? T'as aimé que me vende toute bagarre mal virée d'homme? Si c'est ça, t'as aimé, papa, j'aime jeûner. Je vais mourir dans mon pays. Je vais jamais jeûner, Reginald Boulos parti. Mettez 3 minutes, bon 3 minutes là pour compte. Bon, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, j'ai peut-être réagi et avec toute la passion qu'on me connaît, mais aujourd'hui, le temps est nécessaire pour l'union. À tous mes amis du secteur privé qui sont dans le bon chemin, je dis continuez à faire ce chemin. À mes amis du secteur privé qui sont dans la contrebande, la corruption et la fraude, je dis rejoignons-nous pour que ce pays puisse sortir
de là où il est. À mes amis parlementaires qui n'ont pas voté les lois sur le crédit bail, qui ne sont pas prêts à prendre l'amendement constitutionnel et qui refusent de moderniser les lois, je dis, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. À la population haïtienne, je dis, nous comprenons-nous. Nous pas qu'on écoute, nous pas ouais ça nous joigne dans soi-disant stabilité, ça, c'est ça qu'on veut écraser. Mais écraser brisé pas jamais résoudre rien. Je dis à écraser brisé 3 délimat, mettre 673 familles et presque 10 000 personnes au chômage. Reginald Boulos a travaillé encore, mais monde sait pourquoi joindre cob là pour travail. Donc mon mot aujourd'hui, il est temps. Tout dit pour Faval tout parce que moi mon y a dit ou pas dire rien sous bail Faval. Faval pas concerné. Tout boulos pas boulos, Faval pas concerné. M'a tout dit une fois pour toutes. Faval pas concerné, m'pat même Faval, m'pat même conseil d'administration Faval. Alors il y a 200 boulos dans le pays, tout ça boulos fait c'est Reginald Boulos. Faval pas concerné. Tout Joseph. OK, mais n'a fait ça qu'on y a depuis Joseph Turmoun, n'a pas arrêté tout Joseph. N'a fait ça, OK. On allait dans la non-exclusion. On a prêché depuis 2000, depuis 91, on prêche la violence et la haine dans ce pays. On a fait assassiner la jeune policière Christine Jeune parce qu'elle disait la vérité. Aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter de se tirer les boulets rouges. Puis on mette tête nous ensemble. Nous pas d'exclusion. On prend responsabilité pas nous. Moi-même, je prends responsabilité pas nous. Pas grand-père dans le secteur privé qui a vint des micros qui a parlé Jean Baléa. Et il y a un pile risque là-dedans. Mais pour qui ça n'a pas vivre si pour nous mourir dans 15 ans, dans 20 ans, et puis nous quitter Haïti côté nous là. On nous tous met ensemble pour nous initier vrai changement dans le pays d'Haïti, dans l'union et dans la paix et dans l'amour. On croit que c'est là pour nous aller. Pas oublier que c'est l'union qui t'a fait, qui t'a bâillé l'indépendance. C'est tout un mouvement qui t'a bâillé l'indépendance. Nous n'avons pas jamais pris indépendance économique, indépendance sociale là. On fait indépendance économique là, on fait indépendance sociale là. Merci en pile, nous tous qui t'a suivi l'émission ça, nous prenons un petit rallonge de 8 à 10 minutes parce que docteur a grand pile pour vous dire, moi grand pile monde qui réagit là, gain monde qui dit docteur a convaincant, gain qui dit docteur a c'est même moun yo et cetera. En réalité, nous chaque t'es participé et m'pote ça me capable dans question moun yo. Merci en pile docteur Reginald Boulos, nous espérons une prochaine fois on capable répondre invitation RSF. Donc nous sommes projet. Merci Werner et encore une fois bonne année à tous les auditeurs de RSF. Merci tout le monde. Rendez-vous à Cepita avec Jackie Cantar, vous aussi Pétion, Joris, Petit Bas de Bouche. Tout Haïti, pas bon pour you, ni bon pour l'autre. Moi, ouais, Haïti, vos chamrak yo. Moi, ouais, Haïti, étranger yo. C'est pas pour tout le monde que Haïti, pas bon. À la fois, ma plan Haïti, pas maintenant.